Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Matin, nous disons Dieu merci pour l'opportunité de nous parler avec vous encore une fois. Côté que nous venons partager parole, bon Dieu, avec vous matin. Nous saluons nous toutes. Nous toutes nous sommes heureux depuis hier. Nous-mêmes qui sommes toujours là. Nous-mêmes qui sommes à peine abonnés dans la page. La page Facebook, Jésus est la source de joie. Et nous-mêmes qui sommes à peine inscrits dans la chaîne YouTube, là. Jésus est la source de joie. Nous saluons, non, Jésus. Après que nous avons un titre matin qui dit que si c'est Jésus qui bat aux libertés, au libre, tout bon. Amen, amen, amen. Avant que nous parlions, ça, bon Dieu, mettez ce que nous voulons parler. Nous prions, nous invitons le Saint-Esprit, comme ça, bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Au moins ça permet de merci pour ça ou dans la vie nous soit fait soit continuer fait pourquoi dès que prend nous bien loin nous t'es perdu ou venir avec nous nous merci pour ça merci pour page Facebook Jésus est la source de joie ou permettre qui capable sous pied pour nous capable partager parole ou gens que vous voulez gens que vous permettre lui n'apprendre dans le nom de Jésus-Christ Père permettre que message que vous voulez passer matin li passer pour gloire non pour avancement royaume li passer pour des cœurs changés li passer Seigneur éternel pour renverser des forteresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth nous dit bienvenue Saint-Esprit meilleur conseiller et meilleur professeur qui gagne parlez avec nous Seigneur révélez-nous messages cachés mystères révélations paroles où nous besoin connaître plus de vous chaque jour Père de gloire levez chaque monde qui pourra assister vidéo ça n'a mère n'a pas le temps pour Seigneur pas quitter esprit de distraction faire ou pas comprendre ça attendez mais c'est pour comprendre c'est pour attendre et vous comprendre et vous mettez en pratique pour gloire non pour avancement royaume Seigneur nous pas pour parce que nous voulons nous dire mais nous prions Seigneur dans Jésus qui vit au siècle des siècles amen bon Dieu béni nous allons lire directement dans le passage que le Seigneur nous a donné hier dans le chapitre que Miela bien aimé mon dans Jean chapitre 8 côté que Jésus t'a parlé de. Alors, là, dans le commencement, on parlait de femmes adultères, on terminait par Jésus pour la vider. Et Jésus pas permettre, nous connaissons ça déjà. Après ça, Jésus, bon discours, continue la parole avec pharisiens, aux scribes, et là. Et puis la parole de Dieu dit, comme Jésus parlait ainsi, vous n'avez pas verset 30, Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Quand il parlait, Jésus t'a fait là, en pile, en yoté, quoi? Non, Jésus, quand il parlait, Jésus t'a fait. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, et puis Jésus lui-même, pour la juif qui était cru dans lui-même, il dit juif comme ça, si vous demeurez dans ma parole, attendez-vous bien aimé, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, c'est Jésus qui a parlé avec juif qui était venu cru dans lui, avec juif qui était venu converti. Jésus dit, si vraiment nous restons dans la parole, moi, nous demeurons dans la parole là, nous suivons sa parole là, dit, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, c'est ça Jésus dit. Et c'est pour moi, c'est pour le message ça. Si nous demeurons dans la parole, bon Dieu, nous vraiment disciples Jésus. Si nous demeurons dans la parole, amen, que bon Dieu baille des lois, des commandements, et ça pour nous observer pour la vie. Nous, si vraiment nous faisons au bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes disciples. Bon Dieu, vraiment. Et puis il dit, vous connaîtrez dans verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, si nous demeurons dans la parole, nous vraiment disciples, qu'on a dit, vous connaissez la vérité et la vérité a bâle liberté. Alléluia. Pour moi-même, moi, j'ai liberté. Pour de liberté, il faut que nous connaissions qui ça la parole de Dieu dit. Faut que nous connaissons la vérité, hein? C'est là que nous connaissons la vérité, hein? Nous sommes libres. Ça veut dire tout autant, moi-même avec nous, nous ne connaissons pas la vérité, hein? Nous ne connaissons pas la parole de Dieu dit, nous ne connaissons pas la bonne nouvelle, là, dit, nous continuons esclaves. Mais immédiatement, nous restons dans la parole, là. Nous connaissons la parole, là. Alléluia, nous libres, nous pas esclaves, nous affranchis. Nous avons lu le passage hier soir et puis bon Dieu va me quelques autres passages. Par exemple, il y a un monde qui est malade, qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas si mon Dieu a guéri. Il ne connaît pas dans Esaïe 53, verset 5,
S'il dit que par ses meurtrissures, ça veut dire par meurtrissures, Jésus te prend yo, ou guéri. Ou pas comme ça. Amen. Ou pas connaît si bon Dieu qui a guéri. Ou qui pas connaît la parole. Il pas connaît si bon Dieu qui a guéri. Pour l'autre parole, bon Dieu te bon encore. Alléluia. C'est côté que li parle dans 2 Corinthiens. Alors, m'ta yon li dans Isaïe, m'pa m'pa kouri. Bon fè jè pou te di fè alléluia. Ou tande bon bon tourner encore pour capable bien centrer sa m'ap di là. La parole de Dieu dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou quoi connaît vérité, vérité a ba liberté. Esaïe 53 verset 5, il dit mais il était blessé pour nos péchés. Yep, il ça c'est il était blessé pour nos péchés, c'est Jésus, il brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si moi-même qui accepte Jésus, ou même qui accepte Jésus, nous gagnons la paix, c'est Jésus qui fait nous gagner la paix. Parce que, alléluia, bon, à la barota, li paye yon prix pour gagner la paix. Alléluia, Jésus paye yon prix pour gagner la paix. La parole de Dieu dit, le châtiment qui nous donne la paix. Go châtiment tombé sous Jésus pour me la paix, pour me la paix, c'est ça fait. Ou même qui accepte Jésus, même qui convertit, c'est pour qu'on connaît que ou gain la paix en Jésus parce que le paye un prix pour ça. Go châtiment tombé sous lui pour me la paix. Allah adora. Châtiment tombé déjà. Même si nous avons voir gala kota qui t'a voulu faire me troubler, femme camper alléluia pour me parler la parole parce que la Bible dit si alléluia, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu dit moi si que amen alléluia, moi connais la vérité amen alléluia, moi libre et bien garder n'importe vieux voix que t'as venu pour faire troublé femme campé pour me parler avec voix pour me dire gardez voix le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus c'est pour me donner la paix ça faut qu'on capable camper pour parler comme ça pour prendre autorité c'est parce que qu'on parole là mais c'est pas qu'on parole les troubles à venir on va trouble à passer sous trouble à poto aller trouble à fort pas qu'à prier ou pas qu'à chanter pas qu'on a rien et ça fait chrétien sans la parole. Il est impossible pour un chrétien vivre sans la parole. Car la parole, c'est nourriture chrétienne. La parole, c'est épée chrétienne. C'est la parole pour nous connaître. Ok. Il dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ça arrive au combat avec un faux mal. Et pour quand pour parler la parole, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Moi, guéri. Amen. Les pères ont pris pour me guérir. Les pères ont pris pour me guérir la paix. Alléluia. Ça, c'est Jean qui dit dans la parole là. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Et vérité à bonne liberté. Et pour libre. Amen. Tu vas te guérir la paix. Tout de suite, tu viens de guérir la paix. Amen. Ok. Qu'on a dans 2 Corinthiens. Alléluia. Nous avons 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Les écarts, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. Là on a parlé sur le sujet la collecte. Et puis apôtre l'a dit que Jésus vint pauvre malgré le c'était un riche mais il vint faire pauvre pour nous-mêmes les chrétiens nous capables enrichir. C'est ça que ça nous connaît nous gagne tout bagay nan Jésus. Nous gagnons tout bagay nan Jésus. Un peu de fois, moi, je m'en fous, on a bête à ton problème. C'est parce que nous ne comprenons pas. À la barota. Oh, ça y kata la barota, maman kiotaka. Mais là, on connaît la parole qui dit que Jésus fait le pauvre pour riche. Ah, de ho la maman kiotaka. Ou à commencer par autorité pour connaître qui est souillé dans Jésus. Au passage qui dit que tout bagay pleinement en Jésus. Nous gagnons tout bagay nan Jésus. Et pour nous continuer dans Jean 8, nous t'aider pour nous terminer. Côté de rivière parce que verset les Seigneurs bon noir son verset clé amen et puis l'elfin dit que on a connait vérité à bonne liberté et puis il lui répondit il répondit nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment dis-tu vous deviendrez libre yo pas comprendre pharisiens avec scribes pas comprendre ça Jésus a dit il dit Jésus bon nous c'est postérité d'Abraham comment faire nous pas jamais esclaves de personne comment faire ou dit n'a libre. Il ne comprend pas. Et puis Jésus répond dans 34, il dit, en vérité, je vous le dis, leur réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Le monde qui livre au péché, il est esclave du péché.
Ok? 35, il dit, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Esclave là, pas arrêté tout le temps dans la caille là. Mais petite là, toujours dans la caille là. Pas vrai? Et puis mes versets, le Seigneur, bon, moi, je me partage avec vous, c'est le même qui titre là. Il dit dans verset 36 là, Jean 8, verset 36. Si donc le fils vous a affranchi, alors si donc le fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si c'est Jésus qui m'a en liberté, ou libre tout bon. Si c'est Jésus qui vous guérit, ou guérit tout bon. Si c'est Jésus qui vous délivre, ou délivre tout bon. Si c'est Jésus qui vous débloque, ou débloque tout bon. Si c'est Jésus qui vous passe, ou passe tout bon. Si c'est Jésus qui vous riche, ou riche tout bon. Si c'est Jésus qui vous guérit, ou guérit à la barota. Si c'est Jésus qui vous débloque, si c'est Jésus qui vous délivre, si c'est Jésus qui copie, lui parler. Ça le dit à ses soyeux. Avant, on te parlait de ça. Regardez comment le ciel fait nous parler de ça encore. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est tout bon. C'est pas pour un jour de jour. Vous serez réellement libre. Depuis ce petit bon Dieu, depuis ce Jésus qui boit liberté bien-aimée, ou libre. Alléluia. D'abord, qu'on s'arrête. D'abord, levez mon lait. Dis-moi libre au nom de Jésus. Levez-moi, dis-moi libre au nom de Jésus. Ou même qui a accepté Jésus, déjà dit, moi libre. Au nom de Jésus, et même qui, alléluia, qui réalise au maré, ou enchaîné, ou pourquoi qu'on Jésus, ou t'as remis libre, pas hésiter à écrire dans le numéro, ouais, WhatsApp qui sous page là, raconte à maman qui au taka, pour qu'on ait une liberté matin, ou même qui l'église, même qui accepte Jésus, ou senti qu'il y a quelques domaines dans la boue coincée, amen, alléluia, c'est parce qu'on pas compte ça, la parole de Dieu dit, mais la parole de Dieu dit que, amen, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, ou acceptez Jésus déjà, qui comptait pour esclave, mais qui sonne, mais qui domaine dans la voûte vos esclaves, ou sont tous pas libres dans eux-mêmes, des gens qui pas libres dans leurs pensées, des libres à la côte, des gens qui pas libres, ils ont senti quelque part au marais, ils ont senti à la côte, ils ont senti maman qui est au ils ont senti au marais, mais maintenant, le Seigneur vous a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, ou rakata maman qui est au que parole ça va entrer dans la vie, que parole ça va faire cousse dans la vie, que vous comprenez la parole là, que parole là marche tout en nom, libre, liberté maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais mes yeux. Dieu de grâce et de miséricorde. Nous te remercions pour parole. Merci pour parole, de permettre de parler. Et nous croyons que petit tout comprendre ce que vous dites matin. N'a pas nous bénir chaque cœur qui t'attend. Abat tout l'esprit de distraction. Fais-vous comprendre la parole là. C'est pour sentir à vivre. Moun qui te gagne de l'eau dans les yeux, Seigneur. C'est pour cieux de l'eau dans les yeux. Parce que, ou bah, en liberté, et ou libre tout bon. Nous libre tout bon, Père de gloire. Bénis-nous. Pour votre journée, nous, Seigneur. C'est pour marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ça ne pas te comprendre. Nous visions nous plus chargeux. Que toute voile qui était, alléluia, voilez-nous. Il est déchiré. Parce qu'il est déchiré longtemps déjà. Voile temple a déchiré longtemps déjà. C'est pour toute voile qui était devant nous. Déchiré. Nous libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Nous ne pouvons pas ce que nous voulons nous dire, mais nous pouvons dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'à vivre, qu'à régner au siècle des siècles. Amen, amen. Bon Dieu bénit.